Yo tout le monde, c'est GCGN, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser vos pires défis. Donc voilà, c'est la deuxième partie de la vidéo. J'avais fait une vidéo, c'était il y a 2 ans. C'était la partie 1 et là on va faire maintenant la partie 2. Sur Instagram je vous ai demandé à ce que vous mettiez vos pires défis. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas, ça fait juste ici. Donc bien sûr j'ai sélectionné tous vos défis et j'ai choisi les pires défis. Et donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, ça fait très plaisir de tourner des vidéos comme ça. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et donc on va commencer la vidéo, c'est parti. Donc premier défi de Pauline qui nous dit d'appeler un numéro au hasard et de tenir la conversation le plus longtemps possible. Bon alors ça commence tranquille, petit défi tranquille. Alors c'est parti, on va appeler n'importe quel numéro au hasard. Ah merde, okay. Bon alors on va essayer de faire un truc bien, parce que pour essayer de le faire tenir le plus longtemps possible, faut qu'il y ait une raison, tu vois, une raison d'appeler. Donc peut-être on va essayer de faire un truc en mode peut-être en mode quelqu'un qui a oublié son téléphone et demander si il habiterait pas dans le coin ou quoi. On va essayer ça tout de suite. Ça va marcher. Allô? Oui, bonjour, c'était pour demander si vous habitez dans les arrondissements de Paris. Ce que... Ah d'accord, parce qu'en fait j'ai perdu mon chien quelque part. C'était pour vous demander si vous aurez vu un chien un labrador avec un collier rose. Non, je n'habite pas du tout dans... Je pense que vous êtes trompé de numéro, on habite dans le nord-est de la France. Non, parce qu'en fait j'essaye un peu d'appeler les gens du coin. Mais oui, si je me suis trompé de numéro, excusez-moi. En tout cas, voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée. Eh oui, vous aussi, merci, au revoir. Au revoir. J'ai tenu exactement 57 secondes. J'ai tenu 1 minute. Bon déjà frérot, la dame était très gentille. J'ai fait une excuse en mode j'ai perdu mon labrador dans les arrondissements de Paris et tout. Donc voilà. Bon, j'espère que 57 secondes ça suffira. Merci Pauline pour le défi. On va passer maintenant au prochain défi. Donc on va maintenant passer au prochain défi. Donc ce défi ça va être le défi de The Drago qui nous dit de faire des selfies avec des passants. Là on est en compagnie de Anthony qui va nous aider à filmer. Donc il va nous aider à filmer le genre de micro trottoir, enfin genre de caméra cachée. Donc c'est parti, on va essayer de réaliser ce défi. Bonjour. Là je suis en train de faire une vidéo où je dois réaliser un défi et je dois faire un selfie avec un passant. Est-ce que c'est possible de faire un selfie? Mais non, pas du tout. D'accord, d'accord. Bonjour. Là, je suis en train de faire une vidéo où je dois réaliser des défis. Je dois faire un selfie avec un passant. Est-ce que c'est possible de faire un selfie avec vous? Et moi, je vais vous dire, samedi prochain, j'ai 88 ans. Non, je pars. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, on a toujours pas trouvé quelqu'un pour faire un selfie. On va peut-être demander à des gens un peu plus jeunes. On va essayer de trouver quelqu'un bien. Faut demander à quelqu'un qui n'est pas occupé. On va tenter les gars. Bonjour. Je fais une vidéo où je dois réaliser des défis et je dois faire un selfie avec un passant. Est-ce possible de faire un selfie avec vous? Ouais. Merci, c'est gentil. Yes. On a réussi le défi, ça fait plaisir. Oh, le mec au calme, il a dit ouais, pas de problème, on va réaliser le défi. Donc c'est bon, défi réussi. Donc on va maintenant passer au prochain défi. Donc prochain défi de Ilan qui nous dit de se baigner dans la piscine le soir quand il fait froid. Bon, là j'ai pas trop l'occasion de filmer le soir, donc je filme le jour. Surtout qu'il y a un max devant. Donc voilà, là il fait actuellement 13 degrés dehors. J'ai la piscine, ça doit faire au moins 10 degrés, un truc comme ça. Donc voilà, on va réaliser le défi de se baigner dans la piscine. Et mon short de bain complètement explosé, j'ai plus rien. Allez c'est parti. Ah, oh, c'est froid. Ah, il fait trop froid. C'est bon, le défi est validé. Défi validé les gars. Bon c'est bon les gars, je me suis baigné dans la piscine. Défi validé encore une fois. Je pense que je vais être malade avec la piscine, avec tout ce que j'ai bouffé. Tellement que l'eau elle est froide, genre mon rythme cardiaque il augmente. Donc on va maintenant passer au prochain défi.
Donc, prochain défi de Baptiste qui nous dit de goûter des trucs avec mes potes, des trucs dégueulasses. Donc voilà, on est avec Kenzo. Kenzo, vous l'avez déjà vu sur la chaîne dans la vidéo, quelle vidéo déjà ? Il y a longtemps. Oui. Depuis, tes cheveux ont bien poussé. Ah ouais. Juste ça à dire en fait de moi. C'est un bâtard. On est aussi avec Anaïs qui va nous faire. Qui nous a fait les mélanges et qui va nous faire goûter les trucs dégueulasses. Et donc, c'est parti, on va commencer le défi. Alors, on se retrouve. Donc, c'est moi qui ai préparé leur truc. Alors, dans la bouteille, j'ai mis du ketchup, du vinaigre, de l'huile et du jus d'ananas. Dans le verre, donc ça va assez dégueulasse. J'ai mis du jus de goyave, de l'huile d'olive, du lait et de la compote. J'espère que vous allez vous régaler. Fait des gros bisous. Aïe, ma tête elle est coincée. Putain, non, mais arrête, frère, j'ai peur. Bon, les gars, si ce genre de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, hein, ça fait toujours plaisir. Mais ça, ça va être un truc hyper dégueulasse. Non, je suis pas chaud, mais comme je dis, j'ai trop mangé ce matin, je vais vomir, moi. Bon, allez, vous êtes prêts ou pas? Oh, ouais, ça sent. Esprit chonel, esprit chonel. Là, j'ai fait la dernière vidéo que je tourne de magie. À toi. Moi, oh, je peux pas, je peux pas. Faut que j'ai l'esprit chonel là. 3, 2, 1. Oh, j'ai appuyé. C'est dégueulasse, frère, ça va? T'as pas envie de gerber? Moi, ça va très bien. Oh, j'ai. Kenzo, tu es prêt? Non, là, c'est pire. En vrai, les gars, ça passe parce qu'on va manger un sacré lait après. C'est du lait, c'est non, tacos, on va pas le savourer. Ouais, on va pas le savourer le tacos. Mais je vais gerber, tu comprends pas ça? Allez, Kenzo, 3, 2, 1. C'est rien. C'est grave. Oh, si, c'est quelque chose. Oh, gros, j'ai une remontée comme j'en ai jamais eu depuis longtemps. J'ai envie de vomir. Une conclusion de la situation. C'est dégueulasse. Très mal. C'est très dégueulasse. Très mal. C'est très bon. Ça veut dire qu'il faut très mal. Dégueulasse. C'était visqueux. Ah oui, il y avait de la compote aussi. Ah, tu sais que j'étais à deux doigts de gerber. Je te jure, j'étais à deux doigts de gerber. Juste pour passer une dédicace, s'il te plaît. Et alors, ah oh oui, la dédicace. Non, non, moi, premier, dédicace ma famille, comme d'habitude. moi, je fais une dédicace aux ados, voilà. À Ina, à Zoé et à Fabien Adonis. Ah, moi, et pas à toi, parce que on t'aime pas trop. Moi, je t'aime, par contre. D'accord. Merci, Kento. Bon, on va maintenant passer au prochain défi. C'est parti. Donc on va maintenant passer au prochain défi de Léa qui nous dit de manger une cuillère d'harissa. J'ai pris tout ce qu'il fallait, le truc d'harissa, assez aberrant. Ah, c'est quoi ça? Donc les gars, c'est parti, cuillère de soupe. Oh, beau gosse. Ah les gars, c'est bien beau gosse. Bon allez, c'est parti. Ouh. Ah, ça brûle. Ah, ça pique de fou, frère. Ah, ça pique. Oh, frère, ma bouche. Oh, les gars, ma bouche, elle est toute bizarre. On dirait, j'ai des grosses lèvres. Oh, voilà, défi réussi avec Larissa. Oh, ça pique toujours. Attends, je vais en parler. Donc, on va maintenant passer au prochain défi. Lily qui nous dit de demander à quelqu'un s'il a du lait spécial chèvre. Donc, il va falloir demander du lait de chèvre à des passants, à des gens qui passent dans la rue et tout. Je pense que ça va être un peu compliqué de trouver du lait de chèvre. Donc, c'est parti, on va essayer de trouver du lait de chèvre. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez du lait de chèvre? Du lait de chèvre? Ah non, pas du tout. Ah, excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous aurez. Parlez-vous français. English? Yeah. Have you got milk? Les lait de chèvre. Ok, thank you. Pas mal, pas mal. On va encore essayer de demander à d'autres gens, sinon c'est mort. Bonjour. Est-ce que vous aurez du lait de chèvre, non? Vous n'avez pas? Ok. Ah, merci. Excusez-moi, madame. Oui. Est-ce que vous aurez du lait de chèvre? Du lait de chèvre? Non. Non, vous n'avez pas? D'accord. Bon, allez, on va essayer encore deux personnes. Est-ce que vous aurez du lait de chèvre? Non? D'accord. Ah putain, mais non, mais du coup le défi il va pas être validé du tout, putain. On va essayer encore une personne. Est-ce que vous aurez du lait de chèvre? C'est pour un défi, faut que je trouve quelqu'un qui a du lait de chèvre. Sur moi, non. Non, d'accord. C'est gentil. C'est pas grave, merci. Ok, donc ce défi il est échoué. J'ai essayé plusieurs personnes et tout, mais bon, j'ai pas réussi, donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre votre avis en commentaire. T'as plus à dire? Dédicace. Encore? Mais oh T'as plus à dire? T'as mis nous là. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.